Please be seated. Thank you very much. I welcome you to the special plenary session about the future of the Middle East, what to expect, what's next for the Arab world. We have put together, the organizers, a great panel today. We have newsmakers, we have insiders, we have people that can share with us great views, insight, and each one of them brought his own crystal ball to predict what's going to happen in the Middle East. But before that, I invite Mr. Ibrahim Fasil Fahri to please come to the stage to present an award to our esteemed guest. Shukran Mouafak. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir ce matin. On s'excuse pour le petit retard, dû en partie à la pluie, et qui justifie tous les problèmes lorsqu'on organise ce type de conférence. Mais également, justifié par l'agenda chargé de son Excellence, Monsieur le Président du gouvernement tunisien, Mehdi Jouma, que j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui en votre présence. Mais j'ai également l'honneur de lui remettre le Grand Prix MedDays, parce que nous estimons que Mehdi Jouma est pour nous la personnalité de l'année, car il a su à la fois faire revenir la croissance dans son pays frère, mais également mener de main de maître, si vous me permettez l'expression, monsieur le chef de gouvernement, la transition tunisienne, et encore une fois montrer au monde que la Tunisie est un exemple pour nous, maghrébins, arabes et musulmans. C'est Drais Hakouma Tfadl. Je pense que dans le programme, je dois dire un petit mot. Je vais commencer par un petit mot de remerciement. Je suis vraiment particulièrement touché par l'honneur qui m'a été fait par ce prestigieux institut en me décernant le Grand Prix MedDays 2014 pour la transition démocratique en Tunisie. Je voudrais dire que c'est une distinction aujourd'hui que je reçois, mais qui est une distinction et une reconnaissance pour le peuple tunisien qui a su, en cette période très difficile, grâce à sa jeunesse, grâce au dynamisme de sa société civile, qui a montré une telle présence, une telle force à canaliser les choses quand il y avait de risques de dérive, à ses femmes, à ses hommes, à ses anciens, à sa génération d'aujourd'hui et la génération pour laquelle on fait tout ce travail. Je vous remercie pour cette reconnaissance, la reconnaissance d'un institut aussi prestigieux. C'est une reconnaissance que je lui donne aujourd'hui une dimension régionale et plus que ça, une dimension même internationale. Je peux vous assurer d'ores et déjà que ces jeunes Tunisiens, ces femmes et ces hommes ont accompli cette mission qui parfois était très difficile avec beaucoup d'applications. Ils nous ont fait la preuve dernièrement avec les élections législatives, malgré la déception qui est inhérente à des attentes assez importantes juste après la révolution et qui ne voit pas se réaliser après 4 ans. Malgré cette déception, ils ont montré
leur persévérance, leur patience et leur volonté de porter cette expérience. Ils ont participé massivement des élections qui se sont passées dans les meilleures conditions, dans un standard international, comme si c'était dans un pays à tradition démocratique. Donc merci aux Tunisiens, c'est un merci à votre prestigieux institut pour cette reconnaissance aux Tunisiens. Je voudrais aussi profiter de ma présence ici à cette tribune pour adresser un message de profond respect à Sa Majesté le Roi. Le roi Mohamed VI, qui nous a fait l'amitié et l'honneur de séjourner parmi nous il n'y a pas longtemps, en fait, pendant l'été. Et c'était un signe amical, un signe qu'on a tous apprécié, y compris les soutiens, les citoyens tunisiens. Et c'était, il renvoyait une image aussi paisible de la Tunisie. Donc, un grand merci pour Sa Majesté qui, depuis que j'ai pris mes fonctions, n'a cessé de nous envoyer de signes de soutien, mais plus que ça, il a poussé à intensifier la collaboration parce que il est conscient, nous sommes conscients que, au-delà de ce qui se passe dans nos frontières, il y a un enjeu pour l'ensemble de la région et nous devons travailler ensemble en toute proximité. Je voudrais aussi remercier mon ami Sir Abdellah bin Kiran, le président du gouvernement, qui nous a fait l'amitié par sa participation à la conférence Invest in Tunisia qui s'est déroulée au mois de septembre et qui l'a marqué par sa présence, par son discours qui était très fraternel, sincère et direct et qui a marqué les esprits. Et je ne pourrais pas finir ce chapitre de remerciements sans remercier aussi le président de l'Institut Amadeus, M. Brahim Fassi Fehri, pour m'avoir invité, pour m'avoir offert cette tribune pour m'adresser à vous, et puis l'ensemble des organisateurs. Et puis je salue aussi le peuple frère marocain que nous chérissons et que nous aimons tant. Nous avons beaucoup à partager, nous avons énormément partagé dans l'histoire, nous avons un avenir que nous souhaitons radieux pour nos populations à partager. Voilà, encore merci. Merci d'avoir donné cette tribune à la Tunisie.